cérémonie mariage. Mademoiselle Amélie Henriette Delblon, ici présente, avec Monsieur Guido Vignal. Monsieur, je n'ai pas dit que c'est moi, mais monsieur, je suis dans cette partie-là, nous aurons des grandes difficultés de lire. Mais sûrement, avant ça, il faut lire, mademoiselle, dans l'article, le code civil, les importants, vous appelez. L'article 212, il dit à nous, la femme et le mari doivent respecter l'un à l'autre. La tu dois être fidèle, donne la main, porte secours l'un à l'autre. L'article 213, ensemble, la femme et le mari y amène, déjà, là, on a un problème de lecture. La famille dans le bon chemin. Parce que nous avons fait déjà débat avec nos bonnes collègues. On a même collègue enseignante ici, qui enseigne aussi le créole, qui est aussi chargée de la culture. Madame Sandance, hier encore, on a fait un grand débat là-dessus sur le parler et surtout sur l'écriture du créole. Mais pas pareil, mais ils ne pensent pas pareil, mais au fond, nous sommes d'accord sur en tout cas le parler. L'article 213, comme disait Zot, ensemble, la femme et le mari emmènent la famille dans le bon sommeil. Zot décide ensemble la manière pour faire vivre le ménage. Ensemble, Zot fait pouce droite. Zot y amonte bien, Zot enfants, Zot y prépare l'avenir en bonne main. Article 214, si dans le contrat mariage n'est pas prévu que ça, la femme et le mari amènent dans la case pour faire vivre la famille, chacun y amène sa petite gagne. Et là, je ne crois pas que vous avez un tas de l'argent pour l'amener dans la famille à l'époque. Vous amène le corps et madame amène les jeunes. Mais aujourd'hui, vous connaissez bien l'exigence, je veux dire, ben est marié. Aujourd'hui, la vie, tout le monde hésite avant de marier. L'article 215, la femme avec le mari fait promesse de vivre ensemble. De se mettre d'accord quel endroit la famille, si ça va rester. Malheureusement, je l'ai dit, marche comme ça. Avant, tu es choisi, tu n'as choisi plus rien. Parce que la case ou la pointe, avant, de monde comme ça, justement, avant de marier, tu sais prévoir un travail, la case. Après, tu auras tout ça de sa vie, ensemble. Comme ça. Et je l'ai dit, c'est différent. Il paraît que c'est ça l'évolution. En tout cas, il évolue un peu trop vite. Et souvent, c'est les maires, c'est tous les responsables politiques qui, malheureusement, après, sont obligés de trouver des solutions à tous ces bas de problèmes, Mahamaï, il y en a aujourd'hui. L'article 371-1, l'autorité parentale, c'est un bon droit avec l'obligation, l'effet pour les enfants lui-même. Le papa avec le maman n'est pas l'autorité jusqu'à l'heure, les enfants y gagnent sa majorité. Sauf si la loi donne aux enfants en avance le droit, décide pour son propre vie par lui-même. L'autorité parentale, ça les fait pour décider nos enfants, décide son sécurité, son santé, son droiture. En français, il appelle ça la variante, la moralité. Ça les fait qui donne aux enfants une bonne éducation, fait grandir à l'île comme qu'il faut, avec le respect qu'il doit lui. Le moment avec le papa, selon là, les enfants, le degré, responsabilité, la fine arrivée, différentes à l'île en part dans une décision. Il regarde Ali. Alors, excusez-moi, madame Chantal, je suis un peu gêné dans tout ce posement-là. Si vous maîtrisez ça bien, en tout cas par la lecture, moi maintenant, on a un peu de grandes difficultés. Et puis, on fait la sorte que, au port aussi, il y avait un journal qui appelle le port, ça même. Et nous, tu reçois ça tous les trimestres, je crois, qui arrivait dans tous les services. Et nous-mêmes, on avait grand problème pour gagner des chiffres, ça. Alors, moi, on est content, encore une fois, que nous retrouvons notre valeur créole. Et là-dedans, il y a bien les valeurs, le respect,
qui occupe nos enfants, qui occupe notre famille. Malheureusement, j'ai dit tout ça à 36 ans. Et aujourd'hui, on voit bien que tout le monde est livré à notre même. Même les parents, à un moment donné, à payer leurs enfants. Et là, n'en est pas. Bon, mais continuez quand même notre cérémonie. Quand ça qui veut marier, la déclare que je n'ai pas fait contrat de mariage, je n'ai pas fait contrat de mariage. Ça ne fait rien pour partager non plus. Non, c'est même pas la peine. On faisait la mairie, on y a un jour. Présent. Est-ce que vous êtes d'accord pour marier avec monsieur? Monsieur Ludovic Naz Axel, est-ce que vous êtes d'accord pour marier avec mademoiselle? Vous êtes d'accord? Toujours d'accord, vous êtes sûr, non? Alors par la loi, je déclare que vous êtes marié avec femme mariée ensemble. Même mari et femme mariée ensemble. On a un peu de difficulté, mais je reconnais. Pour exprimer moi très bien en créole et à ce sujet justement puisque nous engageons dans une